Le gouvernement du Canada a adopté une série de mesures pour soutenir les Canadiens pendant la crise de la COVID-19. Certaines de ces mesures sont déjà en place. La subvention salariale d'urgence du Canada aidera les travailleurs à conserver leur emploi pendant cette période. Elle permettra aux employeurs de réembaucher les travailleurs précédemment licenciés et de conserver les employés qui sont déjà sur les listes de paye, afin que la main-d'œuvre et les chaînes d'approvisionnement du Canada puissent sortir de cette crise en position de force. Cette mesure offrira une subvention salariale de 75 % aux employeurs admissibles pour une période maximale de 12 semaines, rétroactivement au 15 mars 2020. Le gouvernement du Canada a également créé la Prestation canadienne d'urgence, PCU, un paiement mensuel de 2 000 $ pour les travailleurs qui ont temporairement cessé de travailler, ont perdu leur emploi, sont malades ou en quarantaine, ou doivent s'occuper d'un enfant ou d'un membre de leur famille. La nouvelle prestation est offerte aux personnes qui ont cessé de travailler en raison de la COVID-19 et qui se retrouvent sans revenu d'emploi ou de travail indépendant. La PCU peut être versée pendant un maximum de 16 semaines à l'intérieur de la période du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. À partir du 6 avril, un portail unique est disponible pour faciliter le processus de demande de la prestation canadienne d'urgence. Tous les travailleurs présenteront une demande en suivant un processus de demande simplifié. Le gouvernement a mis en place de nombreuses mesures pour aider les personnes dans le besoin. Au début du mois d'avril, le gouvernement fournit un paiement supplémentaire ponctuel du crédit pour taxes sur les produits et services à plus de 12 millions de familles à revenus faibles ou moyens. L'augmentation moyenne du revenu des personnes bénéficiant de cette mesure sera de près de 400 $ pour les personnes seules et de près de 600 $ pour les couples. Enfin, les familles qui sont actuellement admissibles à l'allocation canadienne pour enfants recevront un montant supplémentaire ponctuel de l'allocation canadienne pour enfants, ACE. En effet, ces familles recevront 300 $ de plus par enfant avec leur allocation de mai 2020. Pour en savoir plus sur ces mesures importantes, consultez canada.ca/le-coronavirus.